va chanter à coup de kerk là. Bon, on vous refera des petits coups tout à l'heure. On va faire avant que j'oublie. Et au passage, n'oubliez pas que le 13 mars, on va être au Casino Barrière à Lille et on va être en même temps en direct dans 170 cinémas. Voilà. On se retrouve dans le Nord. Allez, en voiture. Là, on est sur la scène de Kootkerk. Ça, c'est mon GG. Mon GG, c'est mon indispensable, qui est avec moi tout le temps, sur tous les spectacles, tout. Donc aujourd'hui, on joue, avant que j'oublie, sur cette petite scène et tout. Et la semaine prochaine, on va être à Bordeaux, au Casino Barrière, avec avant que j'oublie. Après, le lendemain, on va être à Objat, à côté de chez moi, avec le Secret des Cigales. Voilà. Puis après, on fera un petit spectacle privé. Et ça, c'est la petite salle de Kootkerk qu'on a toujours été reçu merveilleusement bien. On a été déjà passé une ou deux fois. Le maire est formidable ici. Les gens sont excessivement gentils. Tout va bien. On ne peut pas savoir comment on est content. Alors là, voilà, je vous mets dans les coulisses un petit peu. Alors, on va aller tourner. Il y a plein d'affiches ici. Ça. Regardez à toute l'équipe de bras cassés qui est avec moi là. Il y a tout genre de GG. Il y a Marie, il y a Lolo, il y a Fiasi, il y a Chouchou, il y a Alex, le castré. Et il y a Sonic. Tellement content de voir l'équipe de rugby. Voilà. Je voulais vous faire un petit bisou. Là, on va manger, tu vois. J'ai trouvé un nouveau copain. Là, il faudrait qu'il grandisse un peu et qu'il s'épaississe parce qu'il est un peu léger, tu vois. Dans le Nord, ils les fabriquent comme ça. Si vous avez besoin d'un bon rugbyman, t'as fait du sport? Ouais. Tu sais quoi? Du foot. Du foot? Putain, mais le PSG a besoin de Monaco. Voilà, c'est à Monaco qu'il faut l'envoyer. Non, Marseille. Marseille, c'est l'OL. Et au passage, un petit gros plan sur les tatouages de Marie. Ma petite fille chérie, elle s'en est mis partout. Ils sont beaux, hein? T'as fait faire ça où, à Brive? Bordeaux. À Bordeaux, voilà. Magnifique. C'est Monsieur le maire qui est adorable, Monsieur le maire de Kootkerk qui nous a toujours reçus avec une extrême gentillesse. Et on va continuer. Ouais. C'est toujours pareil, vraiment. Ça fait des milliers de spectacles et que tu te retrouves devant 20 000 personnes, vous avez vu, ça nous est arrivé souvent, devant un théâtre de 600, 700, etc. C'est toujours le même trac et toujours la même envie de... que les gens soient contents. On verra à la fin. Hein, filera les applaudis ou pas. Vous allez le retrouver aujourd'hui dans un univers complètement différent. Dans un univers beaucoup plus intimiste. Il va vous emmener beaucoup plus loin. C'est un ami qui quelque branche. Je vous demande d'applaudir très très fort Patrick Sébastien. Et bonsoir à tous! Et moi? Merci! Oh, c'est adorable! Merci. Merci de m'avoir suivi. Merci de m'avoir suivi dans ce voyage particulier. Asseyez-vous, j'ai l'impression d'être un meeting de Macron avant les élections. Voilà.
Les musiciens, c'était très bien. Sauf à la fin, le Hatchou. Sauf le mec qui se mouche. Tu vois ce que je veux dire? Le mec qui se mouche. Ouais, putain, je suis désolé. Pourtant, j'ai essayé de diffuser pendant les moments où ça applaudissait. Ouais. Nous, on a passé une magnifique soirée. C'était exceptionnel au niveau de l'émotion qui a été transcrite et deux standing ovations. Oui, deux standing ovations. Surtout quand il y a eu la description physique de Gégé. Parce que là, il y a un grand moment. Moi, j'ai reconnu tout de suite Gégé. Hein. Bon, vous avez passé une bonne soirée, c'est le principal. J'espère que les gens sont contents. C'est le plus important. Allons-y. Ça a été, vous avez passé une bonne soirée. Génial. Regarde, comme c'est mignon. T'as vu, vous êtes sur YouTube. Oh putain. Bah bien sûr. Qui c'est qui la prend? Je sais pas si vous voulez. T'as vu, tout de suite là. Quel âge vous avez? 16, 17? 15. Ah.